C'est vraiment le choc dans cette compétition auquel on va assister. On peut s'attendre à vraiment un gros match entre ces deux équipes. Bienvenue à tous, on espère que vous allez bien. On est avec Pierre Ménès, très heureux de vous retrouver ici au stade municipal d'Irupoa. On est à Eibar, au Pays Basque. Et dans ce match, on va retrouver les Armeros du SD Eibar face à la Real Sociedad. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Schéma classique. Il prend sa chance. Non, c'est contré. Ouais, le ballon touché hein, par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Le corner en direction du point de pénalty. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense, c'est avec un tir. Et c'est à nouveau un corner. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Le dégagement pour éloigner le danger. Et finalement, ce ballon va peut-être revenir très vite. Eibar, l'équipe qui va essayer de se rassurer après sa défaite lors de son dernier déplacement face à Villarreal. L'équipe avait été battue de 1. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Ouais, c'est pour le gardien. Ouais, ça sort en touche. Point demi, Marco Van Ginkel. Vladimir Darida. Allez, il y a du monde pour reprendre. Oh, la barre, mais ça rentre quand même. Elle touche la barre, mais elle rentre. Ah ouais, on a eu un doute sur cette frappe, mais le ballon a bien fini au fond. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Diop. Aaron Martin. Allez, il y a de la place dans le couloir. Juanmi. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Allez, corner donc. Un corner bien tiré. Attention à la frappe. Oh, l'égalisation ! L'égalisation, Pierre ! Ouais, ouais, les joueurs ont su créer le danger et profiter d'un petit peu de suffisance, peut-être, dans le camp d'en face. Ça fait du bien pour la confiance hein, de marquer des buts comme ça. C'est sûr qu'une belle reprise de volée, c'est toujours spectaculaire. Ah, c'est un des gestes les plus purs du foot. Hein. Et voilà donc à égalité, un but partout. Vladimir Darida. Marco Van Ginkel. Ouais, ben, l'interception. Il est sorti de nulle part, il a jailli. Aaron Martin, arrête Alexandre. Marco Van Ginkel, Suarez. Et l'oseille. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. On fait tourner le ballon dans la moitié de terrain adverse. Beaucoup de maîtrise technique. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Orellana. Arrêtez le Tsondo. Yanusei. Suarez. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Ah non, le ballon est perdu. Point demi.
Marco Van Ginkel. Soares. C'est touché hein, par le défenseur. Ce sera un corner. Et vous voyez une fois de plus l'égalisation. Pour le plaisir, c'est cadeau. Enfin, pour ceux à qui ça fait plaisir. Belle reprise de volée depuis la surface. Il a visé le côté gauche et le gardien n'a pas eu le temps d'intervenir. Et ça continue. Au corner. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Le gardien, c'est pas fini. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Marco Van Ginkel. Oriana. La passe est interceptée. Allez, 3 minutes hein, de temps additionnel indiqué. Suarez. Vladimir Darida. Marco Van Ginkel. Ah non, cette frappe qui passe largement au-dessus. Juan Jordan. Les 30 derniers mètres. Il choisit la frappe. Bien repoussé par la défense. Ah, il y a toujours un pied qui traîne. Oh, superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. Et c'est lui qui survient juste avant la pause. Ouais, c'est sûr que ça permet de rentrer au vestiaire avec un petit surplus de confiance. Ça va simplifier la causerie de l'entraîneur déjà. Et 2 buts à 1 donc maintenant. Voilà l'arbitre qui va renvoyer. Allez, le coup d'envoi de la seconde période sur cette pelouse du stade municipal de Ipurua ici à Eibar. Suarez. Et l'arbitre accorde un coup franc. John Jordan. Denis Rose. Il a préféré dégager ce ballon. Allez, bonne touche dans le camp adverse. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non ? Il a donné l'avantage. Avec un tir. Le gardien qui assure le spectacle avec efficacité. Allez, le corner pour peut-être permettre à cette équipe de faire le break dans cette rencontre. Il a cherché le point. Oh, le ballon dangereux. Le ballon se rend en corner. Nouveau corner donc. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Nous allons suivre un nouvel épisode de Liga Santander avec cette rencontre. Eibar affrontera l'Espagnol à l'extérieur. Eh bien, on va regarder ça tous ensemble. Un mot sur le prochain match de la Real Sociedad. Vous avez ça en tête, Pierre ? Le club qui trouvera sur sa route Villarreal pour cette rencontre. Ce sera à l'occasion d'un match de championnat espagnol. Deux équipes qui se valent et ça ne se voit pas grand-chose, à mon avis. Juan Jordan. Torres. Et parfois, quand l'adversaire monte au pressing comme ça, eh bien, il faut se donner un petit peu d'air, c'est tout, on n'a pas le choix. Juan Jordan. Paolo Oliveira. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. Il y a plusieurs changements en même temps. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu.
Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Torres. Avec coup franc. Coup franc à venir. Et Jus, on va tout. Il veut absolument voir son équipe égaliser. Alors il fait ce qu'il faut pour. Le dégagement pour éloigner le danger. Il y a l'oseille. Torres. Juan Jordan. Fabian Aureliana. Allez, il faut s'appliquer pour centrer. Jérôme Rouli. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Le joueur qui sort sous une ovation. Il a fait un très bon match. Cette reconnaissance de ses supporters doit lui faire plaisir. Écoutez, les supporters qui poussent en cette fin de match, ils savent qu'on est peut-être un tournant de cette rencontre. Ouais. Il n'y a rien qui dégage son camp des deux points sur ce centre. Oh, la mauvaise passe. Il ne l'a pas regardé où il la mettait. Il prend sa chance. Bon, attention, c'est pas fini. Michel Merino. Adnan Yazaï. En profondeur, oui, bien vu. Suarez. Ah non, c'est interdit de gâcher des occasions comme ça. S'il enlevait ses moufles, ça irait peut-être mieux. Hein. En même temps, il joue avec le pied. Ouais, c'est pas fou. Un joueur frais qui fait son entrée sur la pelouse. La mission, elle est simple, hein, aider à ses partenaires à tenir le résultat. 3 minutes à jouer dans cette partie, sans compter le temps additionnel. Adversaire qui s'empare de ce ballon. Torres. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel au minimum. Hein. Applaudi Blasis. Ouais, l'arbitre a sifflé hors jeu. Gonzalo Escalante. Charles. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Les 30 derniers mètres. Et voilà, c'est fini. Le supporter de Lecon. I'll never stop.